C'était Alain François, artiste du Centre du Québec, une région incontournable. Pourquoi pas justement prendre la route pour découvrir ce beau coin de province? Mon nom est Alain François, je suis auteur-compositeur, chanteur, violoniste. Ça fait 32 ans que je joue du violon, et ça vient du grand-père, ça. Il y a 33 ans, mon grand-père m'a légué son violon, puis depuis ce temps-là, je poursuis la tradition. Je me sens bien ici parce que, bon, premièrement, je trouve ça extrêmement beau. Je trouve ça, il y a des plans d'eau, il y a des villes, il y a des choses extraordinaires, il y a une culture extraordinaire ici aussi. Donc, ça fait mon bonheur, tout ça. Moi, j'ai pas besoin de plus que ça. C'est vraiment, ça me comble. Bonjour, mon nom est Martin Lemoine. Je suis président de Fruits d'art. L'aventure Fruits d'art, ça a débuté en 2000 à Notre-Dame-de-Lourdes, dans MRC de l'Érable. C'est né d'un besoin de transformer notre production de canneberge de notre ferme à ma famille et à celle de Marcel Pilote. Puis un besoin aussi pour les autres producteurs de la canneberge de mettre en marché des fruits et d'avoir une usine de transformation dans la région dans une période qui était plus difficile. Bonjour, mon nom est Louis Caron et je suis écrivain. Le centre du Québec, c'est les rives du fleuve d'abord, la petite ville de Nicolet au confluent du fleuve et de la rivière Nicolette, et puis ensuite par le réseau des rivières qui descendent presque comme les vaisseaux d'un corps vivant, c'est le reste qui s'est développé tour à tour, de telle sorte que quand on regarde le centre du Québec, on a l'image complète de ce que va devenir par la suite le développement de l'ensemble du Québec. Le centre du Québec me donne beaucoup à moi. Donc, de m'impliquer pour moi chez nous, ben, ça me fait du bien. Et puis, je ne prévois pas m'en aller ailleurs parce que, bon, je me sens bien ici, chez nous. C'était important pour nous d'avoir gardé le siège social à Kings Falls, même si l'entreprise aujourd'hui a 13 000 employés avec au-delà de centaines de plants. Le Centre du Québec est important pour nous et on est fiers d'avoir pu développer avec le personnel ici ce qui était possible de faire dans le Centre du Québec. Je vis dans les Appalaches maintenant, ma maison est là. Je vois les basses terres, fait que la région, le centre du Québec, le mélange agriculture, forêt, pour moi, c'est merveilleux. Depuis janvier 1976 que je raconte des histoires qui se passent ici aux alentours, mais aujourd'hui, aux environs de la soixantaine, je me consacre plutôt à plein temps à lire dans le grand livre La Nature, au gré des flots du lac Saint-Pierre.